Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On est avec Gaelden, salut Gaelden. Salut tout le monde. Et on est reparti pour jouer un peu les gentils. On va aller envoyer Sven le Piu-Piu attaquer la capitale des Nains du Chaos. Sven le Piu-Piu. Bah ouais, le level 2. C'est un drôle de nom, ah oui. Mais bon, son armée est tout à fait intéressante, on va dire. Ils ont Grommeleur, ça fait quoi déjà? Ah oui, c'est le truc qui donne du moral à... Il n'y a pas de seigneur. Et ça, du coup... Ah oui, il faut qu'on la mette à un tueur, ce truc-là. T'as plus de tueur dans ton armée. Ok, faut que je m'arrête. Est-ce qu'on se fait une petite bataille contre des nains du chaos pour voir un peu? Allez. C'est toi qui dis. C'était parti. Victoire à Pyrrhus, perte moyenne. Oui, ouais, c'est surtout des gobes. Ça passait en auto, ouais. Ouais, il y a un petit peu de tromblon. Ouais. Un petit sorcier. Mais je suis assez confiant, on va dire. Après, on a zéro magie. Et c'est une belle forteresse naine, hein, comme on les aime. C'est Tromblon qu'il a, oui. L'arme de poing la plus destructrice au monde, sans contestation possible. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Oh, elle est belle, hein. Ouh, elle est belle cette map. J'avoue. Alors, oui, c'est celle-là. Il y a beaucoup de place là. Alors, du coup, genre au centre, il y a une porte avec que dalle pour défendre. C'est pas faux. Tour, ouais, c'est vraiment là que t'as envie d'attaquer, quoi. En plus, c'est le boulevard vers le point de contrôle, là. J'imagine que ça va pas être aussi simple. Qu'est-ce qu'on a disons ici ensuite, il mettra des hommes, mais... Ouais, mais de chaque côté, du coup, on a des emplacements de ravitaillement avec deux tours chacun. Mais oui, c'est clair que ça manque carrément même pas deux petites tours autour de la porte, là. Après, je pense qu'on peut pas mettre d'échelle non plus. Peut-être sur les côtés, mais pas sûr. Pas sûr, non. Je pense que là, c'est bon, vraiment la sauce. Ça veut dire qu'il faut, il faut défoncer la porte et... Yep. T'as quoi? T'as plus bien rancune. On a le petit gyrobombardier tout frais, là. Donner les volants et la catapulte, cette commande. Bah écoute, dis-moi où tirer. Et je pense qu'on va faire un assaut en deux parties. On va faire un assaut quand même sur la porte principale et un assaut à gauche. Alors, où ça à gauche? Juste à gauche de la porte, là où je me déploie. Là, d'accord. Juste ici. La catapulte, tu la veux plutôt... Bah plutôt du côté des tours à la rigueur, si tu veux essayer d'endommager les tours. Tu veux je tape sur les tours? Ok. Je sais pas trop... Ah, peut-être que le gyro bombardier ça le fera contre les tours aussi. Combien de 9000 PV? T'as quoi, recharge? Mettre les mecs à armes lourdes pour aller péter les portes. Ils peuvent se déployer en embuscade les brise-fer, quoi. J'ai envie de dire. Pourquoi pas?
Et toujours quelques centimètres de gagné. Exactement. Bon, les rangers, même à armes lourdes, je suis pas sûr que les mettre sur les murs, ça soit pertinent. Après, ils pourraient se préparer à tirer direct. Ah bah si, c'est pertinent. Les tireurs sur les murs, hein, c'est oui, un peu non, leur mais place. Bien sûr, une fois que les murs ont été nettoyés, quoi. Ah oui. Là, tout de suite, en embuscade, les faire charger à l'échelle, je suis pas convaincu, quoi. Enfin, en avant-garde. D'accord. Bah, on est d'accord. Voilà. Restons... Les dragues de fer, je me demande ce que ça donne quand ils crament les murs, c'est pas grand chose. Pas grand chose à mon avis. Ouais. C'est pas là que ça sera le plus efficace. Depuis les murs vers le bas, ça je dis pas, mais... Bah écoute, si t'es prêt, on peut y aller. Bon écoute, je n'ai que 4 unités à gérer, tu en as un peu plus. Hop, on enlève la pause, alors il y a un peu de trucs à droite. Dont des tromblons, excellent. Au-dessus de la porte, l'ami du tromblon, du guerrier du chaos. Alors est-ce qu'on peut monter sur les murs? On peut monter sur les murs sur les côtés là. Ouais. Excellent. Go. Ah, il a mis personne au centre, quoi. On va utiliser le fait qu'on a des arbalètes pour envoyer ça. Puis du coup, on va peut-être plutôt aller par là-bas avec eux. Alors, là, on a quoi? Des guerriers nains du chaos et de la garde infernale. La garde infernale, c'est celle qui tire? Non, c'est pas celle qui tire. Je pense que les brise-fer peuvent aller prendre ce mur, là. Donc les rangers, ils sont cachés. Et en plus, on peut les mettre dans un angle mort de la tour. Putain, c'est abusé, cette défense-là. Ils sont à chier, quoi. Il y a un angle mort, là, dans le... Quel est l'ingénieur qui a... Ah ouais, là, les nains du chaos, ils sont... Ils sont décevants. Il faut dire ce qui est. Petite déception de l'ingénierie des nains du chaos, quoi. Là, je peux pas... Ok, on va envoyer quand même ça. Toi, tu vas grimper... Ici, dans les archers hobgoblins, tant qu'à faire, je pense qu'il y a moyen de les disperser relativement aisément. Je vous ai donné des ordres. Qu'est-ce que vous foutez? On peut pas y aller peut-être finalement? On va voir quand on enlève la peau, si ça se trouve en fait on va pas pouvoir y aller. Et bah si tu es prêt... Bah pas de soucis. C'est parti. Juste Takitov. Ouais, non, d'accord. Il y a le symbole échelle, mais en fait, ils y vont pas. Ah. Je pense qu'on ne peut pas monter. Tromblant, il va faire mal. Il y a des faux tromblants quand même avec tes voix. Oh putain, les enculés. Ah bah ouais, ouais. C'est de la. Ouf, tu t'es bien raté là. Et je me suis bien raté sur mon tir. Ah non, les tromblons. Je dis, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre d'unité. Ah, le Giro Bombardier ne peut pas tirer sur. Alors, je viens juste de le recruter, donc c'est vraiment le truc. Sur la tour. Il peut pas tirer sur la tour en fait. Ok, ils abandonnent complètement les murs, intéressant, pourquoi pas. Bon, bah, ça, j'ai jamais compris la logique de. De l'IA là-dessus. On va réussir à faire passer nos mecs sans problème là. On va envoyer eux. Eux aussi, je leur avais demandé de monter à côté de la porte, visiblement ils peuvent pas. Donc, du coup, ils ont rien fait. Vous avez des marteaux, ça me paraît pertinent pour aller péter des murs. Go. On voit qu'il y a des petits gyrocoptères dans leur dos, ça va se faire plaisir. Ah, la tour s'est faite défoncer. Ah oui, de toute façon, c'est toi qui les contrôles, les tours. Il y a beaucoup d'archers. Le petit Saïgo. Vous avez dû réussir à monter. Ah.
J'aime les unités qui me passent dessous, juste alors que la position est bonne pour envoyer des bombes. Ok, t'es un peu en train d'en chier tout seul quand même, toi. Ça serait bien d'envoyer un peu de renfort. La porte est pas tombée, hein ? Si, la porte est tombée, putain, les mecs. Bougez-vous ! Qu'est-ce que vous foutez ? Votre seigneur qui est en train de souffrir, là. Ici, c'est un on repart sur lui. Les mecs ils sont avec un Z en garde alors qu'ils tirent sur des ennemis quoi. Et qu'ils avoinent le sorcier d'ailleurs accessoirement. J'adore. Oui non, on est caché, on glande, personne ne nous voit, pas de problème. Ah merde, la catapulte font plus rien. Je pense que la catapulte va commencer à avoir un peu de mal à trouver ici. Alors ici, nouveau combat. On va dire qu'on se fait bien aider par les gyrocoptères. Hein. Bah ils sont là pour ça. Hein. Yep. Vous, on a l'air d'avoir du mal à trouver des sites. Mais j'ai un gyrocoptère qui a plus de. Qui a plus de munitions. T'en as un autre qui fait. Ouais, si tu t'approches un peu là, au centre sur la porte qu'on a cassée, j'ai un mec qui peut te changer. La porte je suis en train d'envoyer. Ça y est, je te passe. Alors attendez. Ah, ça fuit, c'est bon, c'est fini. Même pas le temps de recharger les gyrocoptères, quoi. Eh ouais, trop balèze, quoi. Bravo, bravo les nains du chaos, quoi. Bon, ça va. On peut parler de pertes faibles, je pense. En gros, tes gyros, il y a eu le coup de tromblon au début, puis après, c'était fini. Oui, mais il a fait mal, le coup de tromblon, quand même. Ouais, il a fait mal, ouais. Et je m'attendais à du tromblon dans la tronche de mes guerriers nains, mais ils ont même pas eu le temps, en fait, je crois. Pendant qu'ils chargeaient pour aller péter les portes. Bon bah voilà, la capitale qui tombe, ça va faire un bon boost de rancune ça, parce que je crois qu'il y avait une grosse quête dessus. Et toujours dehors, le seigneur avec son gobelin. Il attend, il observe. Il est occupé pour 7000 balles, ouais, je crois. Alors par contre, on a dit il faut qu'on te vire ta bannière parce qu'en fait elle ne te sert à rien. Ce qui est un peu dommage. Ça arrive. Alors, moi aussi. Ça marche que sur les tueurs, quand t'as pas de tueur. Je vais aller choper Caracol du pic, mais je ne sais pas. Ah bah non, du coup c'est au clan Morse ça. Ah, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'attaque tout de suite au clan Morse? Peut-être pas. Ah, comme tu l'as dit, t'as plus vraiment de cible hein, de ton côté là. Donc... Non, mais je vais me concentrer sur les orques. Alors là, on peut faire aussi un petit combat de. Combat de ville face aux orques? Un petit combat de ville face aux orques. Ouais, carrément. Pourquoi pas? Allez. Et donc là, j'ai pété les murailles grâce à mon répurgateur. Non, au répurgateur. Oui, pardon, en action, héros, en action de héros. Donc ils ont un peu de troll. Un lance-roc, ouais, le truc de base. Quelques orques sauvages quand même. Bah, t'es un peu en terre orque sauvage, quoi. Ouais. T'es en quelle couleur sur cette. Je dois être en jaune, je pense. C'est Carlito, j'avais pas vu. J'avais vu le nom du héros, je pensais que c'était un mec lambda, mais c'est Carl. Pas un mec lambda, non mais. Qu'est-ce que tu crois?
Elle est sympa cette map, le dessin est rigolo. C'est un peu Je les vois gâché pas par les encore. points, mais... Ah oui. Les orques sauvages archers ne sont pas toujours précis, mais restent mortels. Ou précisément mortels, si vous préférez. Merci le jeu, merci. Oh, un gros tas de caca. Parfait. Et la map est grande, hein. Donc t'as pété les murs, c'est pété de ce côté-là, a priori. C'est pas pété de l'autre côté. L'impression qu'il va nous déployer du côté où c'est pas pété. Sympathique fosse au milieu d'où montent des vapeurs douteuses. Alors, où qui sont les trous? Normalement, il y a trois trous. Bah, ils sont tous pas là. Ils sont tous... Ils sont tous de l'autre côté, en fait. Ouais, tous à droite. Ouais, complètement à droite. Et ben, ça permet par exemple de la cavalerie. Tac, tac. De ne pas être inutile pour une fois. De la fière cavalerie, tiens. Ta mission, c'est de passer par les trois droites. Moi, je vais passer à gauche par les murs. Dakodak. Hop. Il y a beaucoup de tours, par contre. Il est très rapide le capitaine de l'Empire une fois qu'il a un cheval. 105 de vitesse, putain. Ah non, il est sur Pégase, j'ai pas vu. Oui, non, Oui. c'est plus logique, dégage, c'est déjà plus logique. Oui, d'ailleurs, tiens, tu peux, je vais te passer Carlito aussi. Comme ça te fait les deux. Mais je savais, j'ai pas fait gaffe s'il était sur Pégase ou sur. C'est vrai que Là, ça j'en manque ai de qu'un. montures volantes chez les nains. Tes petits gyrocoptères pour les seigneurs, là. Un Hop. petit Malakai sur barge de Grungy. Ça serait tellement pété. La monture barge tonnerre, quoi. Ils vont pas servir à grand chose au Alors, début. toi, t'as quoi? Potion de soin. Ça ira avec Pareil. zéro seigneur pour soutenir ton moral? J'ai un répurgateur. T'as un répurgateur quand même? Et j'ai des troupes plutôt d'élite, donc j'ai quoi? J'ai 92 et 89 de commandement sur mes unités de base. Donc, T'inquiète pas trop, quoi. ça devrait le Ah, le faire. mec, il Allez! est tellement en déche d'objets magiques que t'as filé le croc runique à un héros lambda, quoi. Ouais, mais en fait, c'est volontaire. C'est que je voulais avoir une armée qui soit quand même. En fait, le truc, c'est que Karl Franz, il a Galmaraz. Donc je voulais qu'il puisse ne pas être trop tout seul. Je comprends, je peux valider la logique. On dirait qu'il a mis une bonne partie de sa cavalerie de mon côté, du coup. C'est bon pour moi. Pas encore, en ce qui me concerne. Non, moi aussi j'ai pas mal de cavalerie, donc je pense qu'il a globalement beaucoup de cavalerie. Est-ce que mortier, ça sert à quelque chose que je fasse tirer sur la tour? C'est pas sûr quand même. C'est rigolo parce qu'il Hein. y a toujours le point de capture des tours qui vole au-dessus des trous, de mon côté. Mais le drapeau est au sol. Le problème, c'est que mes tireurs, c'est que des arquebusiers et que tant que j'aurai pas les murs, ils vont servir à rien du tout. Ouais, ça c'est le risque, ça. Je vais essayer juste qu'ils se fassent pas trop défoncer la tronche. Pour ça, faut que j'arrive à le placer entre les tours. Allez, ouf. C'est parti. Il a du monde quand même, hein. Yep. Et c'est pas tant du gobelin. Et c'est pas tant du gobelin, non, non, moi j'ai du troll, j'ai du... C'était quoi ça là?
Putain, une machine. C'est ces tours qui font mal comme ça. Vache. Pourquoi est-ce que tu tires pas, toi? Je t'ai demandé de tirer là. Putain, mais c'est naze, les mortiers. Qu'est-ce que je fous avec des mortiers, bordel? Je crois que tu les avais remplacés par un truc... Bah, pas encore, non, je pourrais pas. Il faut que je sois en... Je sois en ville pour ça. Ah. Donc, je le ferai au prochain tour. Il y a le lance-roc sur ma tronche, on dirait. En arrière, vous, c'est pas la peine de jouer au plan. Cavalerie qui perd face au. Waouh, sa mère, le lance-roc là, il est où? Il est où ce putain de lance-roc? Ah, j'ai eu un joli tir de mortier là sur une unité de. Sur une unité de costaud. Oh, par contre, j'ai des joueurs d'épée, mais ils ont pris tellement cher. Mais ça peut être ses tours, hein. Les tours de muraille font très très mal. Non, c'est des tours de flèche, a priori. Attends, activer un petit peu les trucs là. Par contre. Pause. Ah non, c'est moi qui fais la pause. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il faisait une sortie, qu'il chargeait avec ses costauds sur sanglier pour m'attaquer mon infanterie, mes tireurs. Ah. Et finalement, il n'a pas fait. Et finalement, ça. Il l'a pas fait. Non. Moi, je suis un peu déçu des escorteurs, je m'attendais à ce qu'ils fassent un peu plus mal aux trolls, mais en fait ils sont pas d'une efficacité folle. Yes, sir, quickly. I speak, you act. Take the ground. We serve the Emperor. Now. Yes, my lord. Qu'est-ce qui a fait mal comme ça? Quick march! Taking that position! Yes, General! Emperor's might! Quick march! C'est la grosse mêlée en bas. Devant la porte. Mais tu voudrais pas tirer là-dedans par hasard, monsieur le mortier là? Sort, ça passe ou pas? Ça passe, ouais. La cavalerie est un petit peu juste, et puis bon, bah, on va pas se mentir, on prend des coups, mais ça passe. Il y a un troll qui fait je sais pas ce qu'il fout à l'extérieur, là, et il a pris des dégâts, je ne sais pas par quoi non plus. On va dire qu'il n'y aurait pas Karl, ça serait sans doute pas la même. Ouais. La cavalerie est un peu dépassée par les trucs monstrueux. Allez, on traverse, messieurs, là, bordel. Mais le sommeil qui va bien, là.
là c'est en train de revenir. Hop, demi-tour. Tirer dessus. Voilà, c'est en route. Captain of the Empire! Obey! Il est où lui? Tiens, tu pourrais pas aller te taquer au boss par hasard? Alors, ça comment ça se passe? On va pouvoir aller prendre ça, je pense. Stopper ça. Tirer là-dessus. Carl, tu vas aller péter ces orques. Il faut qu'on aille prendre rapidement ce point. Cavalerie qui est censée perdre face aux archers orques sauvages. T'as fait mal. Ça fait pas plaisir. Il y a demi-tour, il y a des trucs qui traînent. C'est quoi qui tire sur les trolls là? Bon, son boss est mort. Ça m'arrange. On commence à progresser dans la ville. Ouais, moi aussi. Mais putain, c'est laborieux. J'ai bientôt tout nettoyé, je pourrais t'envoyer du renfort, je pense. Take position! Sigma! Oh non, les trolls qui chargent de flanc, salaud. Chant the battle hymns. By your command. Allez, ce serait bien de prendre ce point là, comme ça on aurait pu à s'emmerder. George. Ça pèterait bien la barricade là. We are Sigma's heirs. On my command. Call France. Bon, en l'occurrence, le moral tient très bien. Les joueurs d'épée, c'est solide quand même. En termes de moral. Parce que là, j'ai une unité qui se fait. J'ai une unité qui se fait quand même vraiment défoncer. Il lui reste 6 membres. Et il est qu'en orange. Il n'est pas encore en rouge. Ça, il ne dirait pas de tirer, messieurs. Ah, putain, pourquoi est-ce qu'ils sont. Ah, mais quel. Oh, le truc à la con, quand tu t'enlèves le tir auto et que t'oublies de le remettre. Oh là 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 là. Outriders. Yes, General. Derrière vous, derrière. Ah bah, et tout de suite, c'est pas la même quand je me mets à tirer dessus, c'est marrant, hein. Il y a des trucs comme ça, des fois. On n'y pense pas, et puis finalement... Bah, c'est une idée, quoi, on va dire. Ouais, c'est vraiment pas du tout la même... à partir du moment où tu m'as tiré. Bordel. Ouf, bon, j'ai fini par... me libérer le passage. À coup de balle, dans le feu. Allez. Tac, tac. Tac, tac. On défonce ça. Troll qui arrive là, on va les intercepter. Là c'est en train de remonter. Toi t'arrives à te les faire les gobelins ou pas? Comment ça se passe? Ah le lance-roc il est tout en haut, d'accord. Il se défend bien sur cette map, hein. Ouais, non mais... Ouais, il lui reste plus grand chose, mais il lui reste un peu encore. Un duel d'artillerie, j'ai mes mortiers qui tirent sur ce lance-roc. Allez, j'ai bientôt pris le bâtiment clé. Il a relancé une wag, waouh. Alors, capitaine qui galère à finir les gobelins. Bon, c'est bon. Ça s'est fait au moral. Ici, c'est fait. Ok. Victoire à la Pyrrhus. Ouais, mais ça passe. Je perds un joueur d'épée, à mon avis.
À ceux qui ont fait 27 morts, ouais, là. Ils ont un peu souffert. Oh, le capitaine, il a pris cher. Ouais, le capitaine, il a pris un peu cher. Je l'ai envoyé occuper des gobelins sur la fin, mais même les gobelins, il avait du mal. Aïe! J'ai plus de vie! Mais bon, je savais qu'il mourrait pas, donc c'est pas grave. Il avait quand même les croix runiques. Le griffon qui est pas content, il est en train de hurler à la mort là. Waouh, il y avait 1466 de rancune sur cette vigne. Ah ben non, j'ai même pas perdu mon unité. 1436, désolé pour toi. Ah, là, bon, c'était un peu loin de façon, mais. Waouh. C'est quoi, ouais, c'est du rouge. C'est du rouge pour moi. Ah, c'est ce que je me demandais, ouais, c'est quoi comme. Attends, moi c'est vert pour moi, tu peux me le donner si tu veux. Bah, si t'étais à côté, ce serait très volontiers. C'était trop loin, ouais. Bon, il lui reste plus qu'une. Un settlement, ouais. Donc j'ai quasiment terminé vos ag. Du coup, là, bah, parfait, ça, on répare ça, mais oui. Mais oui, on répare ça. Et on va faire des murs. Et lui, je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça. Si Morse me déclare la guerre, il le fera. Roc de fer, tiens, je peux le passer à. Oui, c'est ça, faut les détruire. Hein. Thorgrim. Hop. Et toi. Oh. Du coup, la forteresse d'Arthur. Qu'est-ce qu'on y fait? Ça, je suis pas convaincu. Bon, j'ai enfin mon alliance avec Thorgrim. Ça va être pas mal en vrai. Et donc là, on a dit qu'on se. Ouais, ceci dit. Oh, le mortier, il a quand même fait le taf un peu. Hein. Mais bon. Moi, je vais garder les joueurs d'épée. On peut booster un peu l'ordre public. Ce serait pas mal, ça. Allez. Je peux pas réparer ça encore. Ah oui, c'est trop cher. Ok, alors, il nous reste Malakai là, qui était un peu blasé parce que il est à, comme d'hab, un micro pouillem de pouvoir attaquer. Ah là là, le fameux micro pouillem. Ouais, bah, c'est pas grave, on va se mettre un campement juste à côté. Et du coup, on peut recruter ça. Non, le recrutement n'est pas possible en territoire étranger, pas du tout. Tiens, c'est rigolo, j'avais jamais fait attention à ça. Ah bah si. Bah en fait, en mode campement, tu peux recruter tes unités globales ou les unités d'alliés, mais les unités instantanées, tu peux pas. Eh oui. Même en... Attends, mode campement. Même en mode campement, ouais. Bizarre. Même en mode campement, eh oui. Tout à fait. Ok. Alors, je vais te refiler plein de villes. Tout le territoire norsque. Eh ben écoute. Donc, je vais y en avoir 5 même. Alors, la plaine de machin truc. J'ai gardé un petit peu de sous. Hop. Première proposition faite. J'ai... Une plaine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une plaine? Je reconnais que... Hop. Tac. C'est dans le désordre. The dead are thick about. Fjord des trolls, déjà ça ressemble un peu plus à quelque chose. Ça. Ouais, là c'est un fort maudit que je te passe. Je crois que l'Empire sera jamais monté autant au nord.
dans une partie. J'avoue là, ouais. J'étais bien occupé à côté, ça m'a quand même bien aidé, ouais, je vais pas dire le bah oui. Au pire, Costel qui avait l'air de s'en occuper, mais il m'aurait pas filé les villes, quoi. Oui. Il aurait été moins généreux. Bah, je vois bien, moi, dans ma partie, ça m'a occupé vachement quand je jouais Malakai. Je l'ai déjà dit, hein, mais... Le conditions du chaos, la rancune éliminée, quoi. Avec ce que tu m'as donné. Comment ça? Bah, c'est une rancune légendaire qui vient de terminer. Ah ouais? Grâce au truc que tu m'as donné, quoi. Ah merde, par contre, je régène plus. Qu'il soit consigné que le Conseil des Rois fut témoin de cette rancune, déclarée par Thorgad, Cromson, grand roi de Krakradrak, à l'encontre de tous ceux menaçant les royaumes des nains du Nord. L'alliance entre Thorgrim, le rancunier, et les clans du Nord est ici invoquée, conjurant tous les nains à prendre les armes contre les guerriers meurtriers de Norska. Nous devons voir les hommes du Nord pour ce qu'ils sont, des fidèles prêts à servir les dieux sombres et qui doivent être éradiqués. 2500 rancunes cadeaux. Eh bah écoute. On vient de passer au niveau 4 de la jugement direct. Alors que c'est le premier tour. Hein. Est-ce que tu peux me repasser le fjord des trolls? Parce que. En fait, sinon je. Ah ben non, tu vas pas pouvoir. Parce que j'ai plus d'île à côté. Échange de colonie, ouais, non, c'est grisé. Parce que du coup, je régène plus dans la mer. Tant pis. Est-ce que c'est tellement grave? Non. T'as assez raison de dire que c'est pas vraiment grave. Voilà, je me disais aussi. Tac. Ils sont où mes 2000 sous? J'ai pas eu 2000 sous avec cette quête là? Non, c'était juste. Juste un petit truc comme ça. Ah non, ça m'a donné des pierres runiques. Temps de repos après un voyage vers le réseau souterrain ou en 3 tours. Ouais, alors on l'a pas encore le réseau souterrain, donc c'est pas hyper utile. Et du coup, on peut confédérer Torek. Ouais. Bon, ouais, il a quand même 14 villes en province, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Et l'Umgi du Chaos, c'est fait. Parfait. Très bien. Donc du coup, pas faire de bâtiment d'ordre public. Ici, on a du marbre, c'est déjà construit. J'ai fini mon tour. Je regarde vite fait. J'ai de quoi construire que pour un seul bâtiment, ce qui serait le plus rentable. Et c'est pas grand chose. Tiens, il y a un bâtiment de tueur ici qui est dispo. Bon, on va le laisser, ça permettra de faire du global. Et on va partir sur du serment dehors. Ah, et du coup, oui, je peux mettre des armes, bien sûr. Bon, ça. Et un autre ordre ici. On va mettre ça. C'est parti! Alors, elle est passée en mode pleine vitesse, l'autre. Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qui est fou? J'ai pas pu voir. Karazakarak qui veut te demander un truc. Il veut que je rejoigne la guerre contre Morse, je suis sûr. Ça va attendre un chouïa. Ah non, alliance militaire, non, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mais c'est marrant, ça ceci dit, je savais pas, le coup de la régène qui se fait pas. Dans la mer, si c'est ton allié qui contrôle la zone. Ouais. Si c'est pas contesté, mais pas à toi non plus. Oh, trop bien. L'événement négatif de merde, quoi. Ah, t'es un événement. Ouais. Deux trucs négatifs. Soit des relations négatives avec Karad Kadrin, soit autorité moins 3 dans toutes les provinces. Bon, t'as vraiment des problèmes d'autorité? Ouais. Ouais, carrément. Ah. Bah, surtout avec tout ce que tu me donnes. Ouais.
pas des problèmes, on n'est pas à la rébellion, mais ouais, c'est pas... c'est quand même pas, pas gagné encore. Tac, ici on va du coup faire un peu de servoise. Mais oui, je crois que globalement mes cités sont en négatif, voire autour du zéro. Mais pas... bon, pour moi, tant qu'elles sont pas à moins 90, ça va. Je suis pas. Je m'en fous. Je trouve l'autorité, on s'en fout un peu. À partir du moment où. Ça pète pas, ouais, mais après, si elle est à moins 80, il y a un moment, ça va péter, quoi, si tu veux. Donc, Bah, ou pas. Ouf. Ah ah. Qu'est-ce que une victoire de campagne multijoueur. Bah, c'est. On a atteint les 100. Les 100 provinces possédées. Ouais. Magnifique. Et voilà, c'est fait. Victoire de campagne multijoueur. Eh ben écoute, on en a pas du tout parlé, mais est-ce qu'on continue? Écoute, on sait qu'on va avoir les orques qui vont tomber bientôt et ce sera assez rapide, mais... Ouais, on peut Est-ce qu'on va jusqu'à... Jusqu'aux orques, ce serait presque un peu dommage de pas le faire maintenant, mais... Yep, bah écoute, campagne multijoueur, c'est... un petit peu long, donc je te propose qu'on en parle, ouais. Et puis... Les viewers sauront si un autre épisode sort ou pas. Ça roule. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Bisous, bye bye. Le truc qui me dit que je n'ai aucune capitale de faction et que je suis une horde. Très bien. Okay. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.